Ça y est, c'est bon. Hop. Et voilà. T'emmènes la petite fleur pour Linda ? Je vais te la mettre, je vais te la mettre derrière toi, d'accord ? Ça, on verra. Hein ? T'as vu ça un peu ? J'espère que c'est pas commencé. Hop ! Voilà. Ah, il y a déjà le Père Noël qui est arrivé. Voilà. Bonsoir. Oui, avec plaisir. Vas-y. Allez-y. Oh, attention. Oh là. C'est bon. Voilà. Je vais me mettre sur le côté. Alors, heureusement, on n'est pas gros. Ça va, Guillaume ? Ouais. J'ai retiré ta capuche. Hop, hein, monsieur, vous allez pouvoir monter. Voilà. Dis donc, Guillaume, t'étais attendu. Hein. Ouais. Super, hein ? Je crois que c'est toi la star. Ah, voilà. Waouh, waouh. Super. Alors, vous êtes Guillaume ici. Oui. Donc, et puis on vous a mis deux chaises. C'est parfait. D'accord. Comme ça, vous êtes en proximité. Je vais te prendre en photo aussi après, Guillaume, hein, parce que ouais. On envoie la famille. Il y a tes frères. Ouais. Voilà. Oh. On est plus probable. Je voudrais aller dormir tout habillée, briller de tous vos feux dans mon lit. Je voudrais porter vos yeux étoilés comme des bijoux précieux toute la nuit. Garder votre parfum dans mes cheveux, ne plus jamais laver ma mémoire, tomber encore chaussée dans mon pieu, encore la Seine aux pieds, m'émouvoir. De ces milliers d'éclats de vos rires qui vont m'éclabousser de paillettes, je voudrais aller dormir sans sortir de la robe de lumière que vous me faites. Je promets que je vais pas essayer d'essuyer les empreintes de vos doigts. Tant mieux si mon vieux cœur est taché d'avoir été touché autant de fois. Je ne l'avais pas vu, je ne l'avais pas vu. Je voudrais aller dormir en costume avec mon mascara sur les joues. Demain le miroir me résume un bout de mon histoire avec vous. Il est beau le dessin de mes larmes. Ça va? Trop contente! Hey, écoute, je suis sortie. Puis là, qui était là juste en face de mes yeux? C'était toi. Ça pouvait pas être mieux. Puis, sauf que ça m'a fait bafouiller un petit peu parce que là, j'étais nerveuse. Je me dis, oh non, faut que le moment soit extraordinaire. Ça va bien? Yes! C'est tellement le fun de te revoir enfin. Trop contente. Oui, t'es content, merci. Je suis la petite main de Guillaume. Oh, t'es la petite main de Guillaume. C'est gentil. T'es trop belle, la rose. Merci, merci. Elle m'a donné une vie remplie de journées vides. C'est comme gagner un prix qui est pas valide. Au moins le poisson, il peut. T'as tout le temps le petit œil rieur que j'adore. Aussi. Non, mais c'est vrai, tu sais, puis tu dédramatises toute situation. T'es comme un être humain à part et un artiste exceptionnel qui réussit à réaliser tous ses rêves. C'est ça que je me dis, moi, tu sais. Et le projet maintenant, c'est de faire un duo ensemble. Et oui, on va réaliser ce rêve-là, c'est sûr. Et plein d'autres rêves, mon cher Guillaume, tu es tellement inspirant. Alors, merci d'être venu ce soir, partager cette soirée avec nous. Et ta voix et la mienne, et ta poésie et ma poésie, de faire un beau mariage de tout ça. Donc, Guillaume Chipolo
il est un être qui est plein d'idées, plein de positivisme, et il est capable de réaliser des miracles avec son inspiration. Un bel artiste qui met sur pied quelque chose qui va faire en sorte qu'on va être capable d'en réaliser des miracles pour les personnes handicapées comme lui. Ça s'appelle Le Voyage imaginaire.